Vérifiez que quel que soit le réel x, x étant un réel bien sûr, on a sinus 3x fois sinus cube de x plus cos 3x fois cos carré. Non, à mon avis, si c'est pas un cos carré, c'est un cos cube. Je vais changer ça. Cos cube de x. Voilà. Et ceci, bon, vous voyez qu'ici, on a du premier degré en sinus, premier degré en cosinus, degré 3 en sinus, degré 3 en cosinus. Là, on a 3x, 3x, x, x. Et bien, ceci, ça fait cos cube de 2x. Alors, comment entamer ce genre? Bon, il faut vérifier l'identité, hein. C'est juste de vérifier l'identité. Bon, alors ce qui est frappant ici, c'est qu'on a du sinus 3x, cosinus 3x. Donc, je vais mettre directement les formules en sinus 3x, cosinus 3x, comme ça. Bon, on pourra avoir une base de réflexion. Alors, sinus 3x, que vaut sinus 3x? Je peux le décrire par rapport à sinus cube de x. Alors on sait bien que sinus 3x, c'est 3 sinus x moins 4 sinus cube de x. Et donc je peux faire par rapport à sinus cube, je vais isoler le sinus cube. Ce qui fait 3 sinus x moins sinus 3x, le tout sur 4. Donc ici, j'ai sinus 3x et sinus cube de x, c'est déjà ça. Alors je vais faire la même chose avec cos cube. Cos 3x. Puisque j'ai du cos 3x, du cos cube de x. Alors, cos 3x, c'est 4 cos cube de x. Moins 3 cosinus x. Ah, c'est ça. Donc c'est 4 cos cube de x moins 3 cosinus x. Alors maintenant, si je veux chercher cos cube, je vais isoler le cos cube, ce qui fait 3x plus 3 cos x, le tout va diviser par 4. Ça, ce sont les premières formules qui peuvent venir à l'esprit et que je vais utiliser maintenant. Je vais remettre l'énoncé. Sin 3x, sin cube x.
plus cos 3x cos cube x. Je dois vérifier que ça fait cos cube de 2x. Alors, je vais d'abord transformer le sinus cube et le cos cube. Voilà. Bon, ce C, c'est l'identité à démontrer, donc je mets égal identité. Bon, maintenant je vais distribuer. Pour avoir 3 sin 3x moins. Enfin, 3 sin 3x fois sin x, bien sûr. Moins sinus carré 3x plus cos carré 3x plus 3 cos 3x fois cosinus x égale l'identité, bien sûr, le tout divisé par 4. Alors maintenant, si on regarde, est-ce que je peux rassembler ces deux-ci? Je vais rassembler ces deux-ci. Cos carré 3x moins sin carré 3x. Plus 3 fois sinus x fois sinus 3x plus cosinus x fois cosinus 3x égale l'identité, bien sûr, le tout divisé par 4. Bon, je vais mettre le 1 quart ici. Le tout, c'est de ne pas l'oublier. C'est pour ça que je vais l'écrire
tenter de l'écrire correctement. Voilà. Alors pourquoi j'écris ceci? Parce que ça, c'est une formule, hein, qui est cos carré a moins sin carré a qui fait cos 2a. Cos 2a. Voilà, donc on a le double de l'amplitude a. Mais ici, comme on a 3x, le double de 3x, c'est 6x, hein. Donc on aura un quart de cosinus 6x plus le restant. Et je vais traiter ce restant justement. Alors, ici, on reconnaît une formule, hein, qui est, en fait, on a cos A, cos B, on reconnaît cos A, cos B, plus sin A, sin B. Bon, le A, vous aurez compris que c'est x. Cos x, cos B, c'est 3x, le B, c'est 3x. Sin A, c'est x, et sin B, c'est 3x. Donc, voilà. Donc, c'est cos A, et ça, c'est le cosinus de A moins B, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, cosinus de 3x moins x, ce qui fait le cosinus de 2x. On aura un quart de cos 6x plus 3 fois le cosinus de 2x. Attention que le quart, il est en dehors. Et ça devrait être égal à l'identité. Alors maintenant, je vais transformer le cosinus 6x. À l'aide de la formule ici. Donc j'aurai cos 6x égale cos cube 2x moins 3 cosinus 2x. Donc un quart de 4 cos cube moins 3 cos, bien sûr du double de x, 4 cos cube moins 3 cos, 4 cos cube moins 3 cos, et bien sûr il s'agit ni plus ni moins que l'arc double, plus 3 cos 2x, ça c'est la partie ici. Est égal à l'identité, mais ceci ça fait déjà 0. Alors ici on a un quart fois
4 cos cube de 2x, ben ça fait cos cube de 2x. C'est ce qu'il fallait démontrer, puisque l'identité, c'est ça. L'identité, c'est cos cube de 2x. Je vous remercie.